CETA, ce sont vos sacs jaunes une fois ouverts. À première vue, des déchets et rien de bon à récupérer. Pourtant, dans cette usine Vendetterie de La Ferrière, le but est de séparer ces emballages pour ensuite les valoriser. Chaque jour, une centaine de tonnes de détritus transitent ici. Quand votre sac d'emballage arrive ici à Vendetterie, donc l'objectif, ça va être de récupérer à l'intérieur les emballages et de les trier par matière. Donc, c'est différentes machines qui vont effectuer ça. Donc, ils vont devoir séparer notamment l'acier, de l'aluminium, du carton et du plastique. Un grand tri mécanique donc, mais la main humaine intervient derrière. Des employés de Vendetterie s'assurent qu'il n'y ait pas de raté. Chaque déchet est une ressource. Les machines font le plus gros du travail et le travail des valoristes, donc c'est les personnes qui sont dans l'usine, c'est vraiment un contrôle de qualité. Elles vont devoir retirer les dernières erreurs des machines pour avoir une matière impeccable. L'an dernier, près de 33 000 tonnes d'emballages ont été traitées par Trivalis. Un bon chiffre, mais dans les faits, plus de 11 500 tonnes de détritus n'auraient jamais dû finir dans la poubelle jaune. Très souvent, dans la poubelle des emballages, on voit des vêtements. Donc normalement, les vêtements doivent être plutôt mis donc, dans les bornes à vêtements, hein, les bornes relais, les bornes blanches. On voit aussi beaucoup de restes de nourriture, ou souvent des emballages qui ne sont pas vidés. Pensez bien, si vous avez un yaourt périmé, par exemple, de le vider avant de le mettre dans le sac jaune, dans la poubelle jaune. Et après, ça peut être des couches, des choses souillées, donc ça, c'est pas top, quoi. Donc on est bien d'accord, dans la poubelle jaune, c'est uniquement les emballages. Une fois séparés, ces déchets sont rassemblés en ballots. Derrière, ils seront vendus pour être valorisés, puis recyclés en de nouveaux objets, avant de revenir un jour reproduire cette boucle.